Cette semaine, on va parler baston. On commence avec le programme de l'Evo Championship Series qui se tiendra du 2 au 4 août à Las Vegas. Ce qui nous permet d'ouvrir avec une transition des plus fluides sur le trailer de Samurai Showdown. Attention toutefois, SNK n'a pas confirmé les machines sur lesquelles sortira le jeu. Combat toujours avec Mortal Kombat 11. Ces dernières semaines, nous vous avons présenté des web-séries sur des développements de jeux. Mortal Kombat s'illustre aussi en ce domaine avec une série plus scientifique, la science de Mortal Kombat, où sont expérimentés certains pouvoirs de personnages un peu à la Beatbuster. Si vous êtes anglophobe, vous pouvez malheureusement passer votre chemin ou supplier pour avoir des sous-titres YouTube. Petite pépite avec le trailer signalant l'arrivée de Johnny Cage dans le roster, on vous laisse avec la Fatality. Je connais des producteurs plus coriaces que toi. Les hypocostars vont pas t'égorger. Toi, tu connais pas Hollywood. Cut. Reset. Deadly uppercut, take two. Action. Cut. C'est quoi ça? Mais qui a embauché Steve? Merde. Deadly uppercut, take 19. Fatality. Vous n'avez sûrement pas raté le nouveau trailer de Détective Pikachu, alors plutôt que de vous le remettre, que diriez-vous d'une interview toujours plus ironique et savamment mise au scène de sa voix américaine, Mr. Deadpool, à savoir Ryan Reynolds. Pika Pika. Cinéma toujours, ou presque, vous avez aimé Into the Spider-Verse et le personnage de Spider-Man noir? Réjouissez-vous, Marvel va rééditer la collection complète de 2009. A savoir 4 numéros et la série Eyes Without a Face. Les MMO aussi se mettent au Battle Royale, du moins Black Desert Online qui a annoncé sa Shadow Arena. Petit bonus sous la forme d'un événement, toujours réussissant à éliminer 5 joueurs sur une partie, repartira avec une clé de Black Desert. Tous les détails sur le site officiel. En vrac, on a une date de sortie pour le film Kaamelott, à savoir le 14 octobre 2020. On ne sait toujours pas ce qu'est Death Stranding, mais il y aura sûrement du multijoueur puisque Kojima Productions a déposé la marque Social Strain System. Des rumeurs sur le prochain personnage pour Apex Legends, et une série Alien en exclusivité sur IGN. Merci d'avoir regardé, de liker, de partager, chose que vous allez bien évidemment faire, et de passer nous voir sur les réseaux sociaux et sur le site, pour profiter de nos tests, de nos articles et des guides.